Salut copain! Ça va tranquille, bien? Oh putain, y'a les keufs! Hein? Assassin de la police! Assassin de la police! Vas-y, je vais aller les embrouiller! Tranquille Roger, fais pas ton Joe Star, sois cool Shen. T'inquiète pas trop. Oh le mec. Hey Omar. Omar? Eh ben tiens mec, pas de tête, pas de cacahuète. Yeah. Tiens, tu m'as un câlin. Boum. Eh écoute ce mec, bonne action. Et merde, on l'a encore raté. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir de si important à faire? Allez, mec. Ouais, super patron! Ouais, c'est cool! Hop, direction Dino Kaiser! Wouhou! J'espère qu'avec tout ce retard, le paquet sera quand même arrivé à bon port. Allez, courage, Dino Kaiser! On est tous avec toi! Et alors, ne t'inquiète pas, petit Edward. J'ai bien reçu mon colis qui contient l'édition collector. Enfin, édition. Oh. Normalement, c'est écrit. Oups. L'édition Black Chest de Assassin's Creed 4 Black Flag,
qui est donc le dernier opus Assassin's Creed sorti. Hein. Normalement, il sort le 29 octobre, mais votre Kaiser a eu l'exclusivité. Pourquoi? J'en sais rien en fait. Mais je l'ai reçu donc le 25, soit 4 jours avant la parution. Et donc, alors déjà, yup, j'éloigne un petit peu la caméra. Cette édition collector est incroyablement grande. Déjà, elle en impose par sa taille, hein, oui. C'est vraiment. Là, j'avais repris l'édition collector, donc l'édition Freedom de Assassin's Creed 3, de l'an passé, pour comparer, et il n'y a pas photo. Il y a une grosse différence. Alors là, ça c'est un petit peu la taille en gros quoi. Alors maintenant, niveau contenu, pardon. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur la boîte? Elle a l'apparence d'un coffre, voilà, d'un coffre de pirate, puisque le jeu se déroulera au temps des pirates. Donc elle a l'apparence d'un coffre, avec une petite inscription en relief sur le dessus. Dead man tells no. Dead man tell no tales. Voilà, très sympa avec des petits. Avec des effets en relief, le symbole est en relief, il y a des petites traces de couteau comme ça, c'est vraiment bien foutu. Donc, voilà, moi c'est ça que je voulais vous montrer principalement, parce que c'est un des trucs les plus importants, j'aurais dire. Encore une fois, PS3 Exclusive Edition. Ce qui veut dire que comme on joue sur PS3, les amis, on aura du contenu exclusif que les autres n'ont pas. Hein. Alors cette année, ça ne se cantonne pas que à la 360 et au PC, puisque Assassin's Creed 4 va sortir sur, attention les yeux, PC, PS3, Xbox 360, Xbox 1, enfin Xbox One, pardon, PS4 et Wii U. Génial. Donc, alors là, vous vous dites pourquoi il y a une petite, comment dire, une petite feuille en carton. Je l'ai mise là parce qu'en fait, c'est pour mieux enlever la capote du truc, parce qu'elle est excessivement dure à enlever. Voilà. Et alors là, ce qui nous permet, hop, voilà, petite transition sympa, ce qui nous permet de vous dévoiler le dos du truc. Donc voilà, défier votre destin. Alors ils sont pas foulés, ils ont mis à peu près les mêmes screens que Assassin's Creed 3. Hein. Voilà, je trouve que graphiquement il n'y a pas eu trop de changements. Mais alors après, j'espère évidemment qu'il sera mieux que cette pourriture de Assassin's Creed 3 qui m'a vraiment déçu. Voilà. Donc, le contenu, en tout cas téléchargeable, de l'édition Black Chest. Ce sera donc le jeu complet Assassin's Creed, hein, plus le contenu exclusif PlayStation 3. 60 minutes de gameplay solo avec Aveline. Donc la Aveline de Assassin's Creed 3 Libération, hein, que normalement ça se déroule à la même époque, donc je crois pas qu'il y aura trop de paradoxes temporels. Voilà. Ensuite, nous avons du contenu additionnel in-game, avec l'héritage du capitaine Kenway, costume et les armes, et trois missions en solo. Donc encore de quoi améliorer la durée de vie du jeu, ça c'est vraiment pas mal. Ensuite, le contenu donc de cette édition collector, bon, de toute façon, on va le voir, hein. Mais il y a, bon, donc la putain de boîte, nanana, nanana, on s'en branle, des lithographies. Enfin non, on s'en branle pas parce que la boîte est jolie, voilà. Des lithographies, la map du jeu. Voilà.
le diorama du capitaine Kenway sur son bateau. C'est bien foutu. Hop, l'artbook, le steelbook, la BO du jeu. Vraiment pas mal. Des impressions sur toile. Ouais, donc en fait des tableaux quoi. Et je sais pas si on voit beaucoup. En fait c'est un drapeau pirate, en fait c'est le drapeau du pirate du bateau pirate du jeu. Voilà, qu'ils ont repris, donc je trouve que c'est sympa. Alors, hop, on va voir ce que nous racontent les morts. On ouvre le putain de coffre et on tombe sur ça. Alors là, on peut vraiment, on peut évidemment deviner qu'il y a la figurine. Mais, encore une fois, quand on regarde par là, il y a un emplacement spécial où on peut trouver le artbook. Le artbook qui est magnifique, hein, franchement, je trouve, avec Assassin's Creed 4 Black Flag sur la tronche. Hop, le capitaine derrière. Et en plus, il est pas noir, il est un peu bleuté, quoi, un peu comme les eaux azur des Caraïbes. Alors, encore une fois, ils nous ont mis deux putains d'emplacements, alors que tout tient sur un Blu-ray, hein, sur PS3, c'est ça qui est génial. Ensuite, nous avons évidemment le jeu, voilà, Assassin's Creed 4, Black Flag, ah là là là, qu'il est joli. Avec voilà, après PS3 exclusive édition, nanana, on peut jouer avec la donzelle. Hop, voilà, qu'elle est là, qu'elle est jolie. Oh. Et voilà, donc à ne pas vendre séparément. C'est-à-dire que si, admettons, j'ai envie de le vendre, faut que je me ramène dans un putain de magasin avec le gros coffre de pirate là. Bref. Voilà, donc il est là, il n'est pas déballé, que dalle. Ensuite, nous avons le hardbook, de très belle qualité aussi, hein. D'une qualité presque aussi belle que Assassin's Creed Révélation. Ouais. Bon, je préférais quand même celui de Révélation, hein. Enfin, bon, après, voilà. Alors, je suis obligé de speeder un petit peu parce qu'il me reste plus beaucoup de batterie sur ma caméra. J'ai paumé le chargeur, donc comme ça, je suis bien enculé. Une très belle enveloppe de pirate, voilà, avec Ubisoft. Avec la mention Edward K. Donc, on devine, hein, Edward Kenway. On n'est pas complètement con non plus. Avec de superbes lithographies. Alors là, franchement. Vraiment magnifique, hein, rien à voir avec les lithographies Mass Effect. Voilà. Hop, 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 hop. On se dépêche, on se dépêche. Parce qu'il reste plus que 7 minutes de capture. Ah, donc voilà, ces putains de tableaux. Ah, et ça renfermait le drapeau, le putain de drapeau pirate. Hop. Voilà. Donc c'est vraiment de la toile, hein. C'est vraiment une peinture sur toile. Une vraie peinture, hein. Hop. Donc ça, on sait pas, hein. Peut-être que ça vaudra vraiment cher dans le futur, parce que je crois que l'édition est quand même relativement limitée, hein, vu le prix, puis vu qu'on l'a pas vu partout. Hein, elle est dispo que sur le shop d'Ubisoft. Voilà. Hop, le capitaine. Donc là encore, nanana. Voilà, donc c'est un drapeau pirate. Pour tous les trucs que j'ai pas vraiment le temps de déballer, parce que comme je vous dis, dans 5 minutes, il n'y a plus de vidéo. Ah, il y a encore des trucs. Il y a encore des trucs. Oh, il y a le super putain de CD. Voilà, la BO du jeu. Donc, je pense que je posterai des photos sur le Facebook. Hein, pour vraiment vous montrer peut-être ce que je n'ai pas eu le temps
de vous montrer. Donc voilà, le coffre est vide avec, bon, si, allez, il y a le plan pour monter le jouet, on va dire. Voilà. La pièce de collection quand même, parce que regardez, c'est pas de la merde. Voilà, va falloir monter ça encore à la Playmobil. Oh. Et voilà, donc en fait on va devoir monter la proue du bateau. Je vais pas le faire maintenant parce que me connaissant, je vais encore galérer comme un connard. Ça va prendre trois plombes. Voilà. Je le trouve joli mais quand même moins détaillé. Enfin, bon, sauf pour la proue du bateau, mais niveau personnage, je le trouve quand même moins détaillé que son petit-fils Connor. Parce que vous verrez, enfin dans l'histoire, quoi, si je mets des let's play, des walkthroughs et tout, enfin si j'estime que le jeu en vaut la chandelle, hein, comme on dit, contrairement à Assassin's Creed 3 qui était vraiment de la grosse daube, autant niveau scénario que niveau peut-être certaines mécaniques de jeu, le gameplay était pas mal. Mais non, non, non. Non, 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 non. Ah, donc on va pouvoir se la jouer Pirates des Caraïbes. Voilà, donc vous auriez vu dans ma petite vidéo d'introduction que j'en ai ajouté quelques petites musiques, enfin une. Tout du moins, voilà, pour pas avoir trop de problèmes non plus. Bon, bah, écoutez, je suis plutôt content de mon collector. Comme je vous l'ai dit, déballage express. Parce que j'ai vraiment pas du tout de vidéo. Puis encore, là, j'ai pas de belle entrée de lumière, quoi, pour vraiment... voilà, comme vous avez peut-être pu le voir, je suis éclairé à la lampe. Et comme le collector prend de la place, j'ai été obligé de faire ça sur mon lit, donc... on va dire que niveau présentation, ça laisse à désirer, il y aura sûrement mieux. J'essaierai de faire peut-être des photos un peu mieux, de les mettre sur Facebook, ou peut-être de vous faire une autre vidéo unboxing, mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Eh bien, écoutez, c'était Dino Kaiser pour vous présenter l'édition Black Chest, donc du coffre noir. Coffre noir qui sera apparemment présent dans le jeu, apparemment, si j'ai tout bien compris. Pour vous présenter ce collector, qui m'a coûté une burne, enfin qui m'a coûté une burne, qui coûte en fait 150 €, voilà, et qui n'est trouvable que chez Ubisoft, enfin Ubishop. Donc vous ne le trouverez pas à Micromania, vous ne le trouverez nulle part, hein, pour une fois, alors que l'édition Freedom de Assassin's Creed 3 était trouvable chez Micromania. Mais non, non, là, Ubisoft, ils sont réservés l'exclusivité, mais vous pouvez avoir une multitude d'autres éditions collector de Assassin's Creed 4, d'où l'édition Buccanier. Donc voilà, bon bah on me dit dans l'oreillette que c'est un petit peu mort pour la vidéo, donc je vous dis à plus tard in game, voilà, si je peux vous en présenter quelques-unes. Alors je vous dis bon jeu et à ciao, bonsoir les potos, yeah. Petit putain de moussaillon, est-ce qu'il te putain de plaît vivre en putain de pirate, c'est ça, tu es un putain de pirate. Hey, oh, digga, digga, être un vrai putain de pirate, c'est très bien pour moi.